expédiente. Voilà les mods. Non merci. De l'eau. Pepsi. Compote. Gatorade. Ouais, je me suis dit. Alors ça donne quoi pour l'instant? Bah on gère la chaleur maintenant. Après la nuit dans la pelée. Maintenant on sait déjà la chaleur, fait très chaud là. Il faut bien s'hydrater et faire un bon coup de chemin. Allez, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, merci. Alors on va arriver. Oui, je viens. Ça va? Ça vient de voir. Parfait. Parfait. Ah non, ça me retourne l'estomac. Ça fait bien. Merci. Je vais prendre moitié de Pepsi s'il vous plaît avec. Ah, tu as l'air de savourer ta banane toi. Ça fait du bien. Alors comment ça s'est passé pour toi? Il fait chaud. Et parti un peu trop fort. Aïe aïe aïe. Comment s'est passé la pelée? Mais la pelée bien, je suis arrivé quatrième à l'aileron et là j'ai pris le contre-coup derrière. Attends, je vais mettre le normal. Non, tu peux marcher, y'a pas de soucis. Pour la forme. pour les images. Bah et bon courage monsieur. Merci. Merci, bon après-midi. Bon après-midi. Ok. Ok, d'accord. Bah, dis-moi comment ça se passe pour toi. Ben sur la première partie, j'avais mal au dos, je pouvais pas avancer. Dans ma tête, il fallait abandonner à cette Cécile. J'ai rencontré un courageux coureur qui m'a dit non de continuer, d'essayer d'arriver à Saint-Joseph. Et puis à Saint-Joseph, je retrouve un peu de sensation jusqu'à ici. À 11h30, j'étais à Saint-Joseph. On est quoi là? On est 13h34, je suis ici déjà, donc c'est bon. Là, je vais essayer de jouer un peu. J'aurais juste aimé savoir ma position. Non. Aucun problème. Moi, je cours pas. Tu vois? C'est ça qui court. T'as couru un peu la mascarine. Alors comment ça se passe pour toi là? Ça va. Forcément, bah t'as juste le coup de la nuit blanche, mais bon, ça va, on gère. Et j'espère voilà, qu'on va faire une belle course. Moi ce que je veux, c'est faire une belle course propre. Dans le sens où j'ai pas envie de vomir. Tiens, il faut tout faire passer par la douche. Ah ouais? Ouais, faut
mettre la bonne. Pourquoi? C'est obligatoire apparemment. Bon mais jusqu'à présent c'est une bonne course on va dire. Oui, elle est exigeante quand même, parce que la partie plat, moi c'est pas mon truc. Merci monsieur. Mais après j'aime bien grimper, donc ça me va. Impeccable. Hein? Et après bon on verra. Je me... Vraiment pas. Allez, bon rapide madame. Merci, merci beaucoup. Scan Pepsi. Non. De l'eau plate. La santé ici. Il est parti. Oui, il est parti. Vous prenez le vodka. Bon, en fait. Mets des glaces. Ah, bien. Il y en a, tu vois, c'est très très parfait. Denis, mais ça c'est quand même. Ça va l'embrouiller, ça va l'embrouiller. Ouais, voilà. Pourquoi pas. Ah, en plus, ton camelback est trop petit. Vas-y, mets. Une petite belle soucée. Le roche carré, c'est pas très bien, je veux. Il a hein. Non, c'est vrai. Et toi, comment tu vas? Écoute, moi ça va, tranquillou. Moi j'ai pu faire une nuit de sommeil. Enfin une nuit, je suis rentré ce matin. Ouais. C'est important que j'aie sa force parce que... Enfin après, bon bah y a... c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes. Enfin j'étais pas allée devant là, ils doivent tout le temps aller à fond, mais... Enfin, si tu fais ça, enfin, moi personnellement j'y arrive pas. J'ai des pics en fait dans les trails. Et après je suis bien. Comme tu l'as vu, hein, tu l'avais vu à Mascarenhas, bon Mascarenhas je fais des pics. Attention, je suis une canière, c'est un professionnel. Hein. Vous connaissez ça? Non, je ne connaissais pas du tout. Eh bien, il est pro, lui. Hein. Ok. Nous, on est amateurs ici. Hein. Il n'y a aucun professionnel ici. On va prendre une petite madeleine, c'est très beau. Alors, ça donne quoi pour vous, pour l'instant? Le troisième relais. Troisième relais. Bon. Les copains ont bien couru, j'essaie de le faire comme eux. Ah, excellent. Voilà. Bon courage. Merci. Alors dis-moi, comment ça se passe jusqu'à présent pour toi? Mais écoute, ça va, je suis dans mon timing. J'avais prévu 14h ici, 14h, donc c'est parfait. Là, j'ai hâte de retrouver les plages pour pouvoir dérouler un peu. Mais là, j'avoue que le soleil, c'est chaud. Ah ouais, c'est terrible. Ah, justement, de Grande Rivière à ici, la partie la plus compliquée pour toi. Ah, c'était entre RD1 et Bouliki. Ah, j'en ai bavé là. Ah, c'était dantesque. Quoi, c'était boueux, c'est comment? Boueux, c'était long. J'ai eu un gros coup de mou. C'était difficile, par contre c'était beau. Mmh. La trace Uber Pure, j'ai trouvé ça magnifique, la petite stèle qu'ils ont fait là. C'était super. Moi je trouvais ça vraiment pas mal. Ouais. Ah ben, je te remercie. Yes. Putain. Merci beaucoup. Yes. Alors et toi ça donne quoi? Bah, écoute, pour l'instant ça va. Pour que ça dure. Ok, à la première partie était compliquée. Vraiment compliqué, beaucoup de vent sur la pelée. Après, ah t'as vu, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Beaucoup de vent là-haut et après énormément de boue, de gadour. Et bon, on en est sorti vivant. Et maintenant, il n'y a plus qu'à à continuer. Ben, bon courage les gars. Ouais, merci. Yes. Il y a combien de personnes qui sont passées là, dis-moi? Oui, il y a le relais, tout ça, donc... Alors Fredo, dis-moi. Eh bien, un peu compliqué aujourd'hui. C'est ma cheville qui m'embête, là, depuis la première descente dans la pelée, là. C'est là que j'ai commencé à avoir mal. Et puis, ben, maintenant, j'ai mal. Dans les descentes, surtout. Pas trop dans les montées. Et sur le plat, faut que le pied se pose bien plat. Petit parasan. Pas trop rapide. Et là, ça va à peu près. Bon, tu sais ce qui t'attend, de toute façon, tu connais déjà. Oui. Comment tu vas gérer cette partie-là?
comme je peux. Ok, bon, à tout à l'heure. Yes. Yes. Et Aurélie, super, hein. Oui, mais Aurélie était pas trop loin devant vous, hein. Oui, elle a... Ouais, on était Aurélie pour un instant. Ouais. Mais là, elle doit avoir quasi de... C'est pas moi la première femme qui est partie vraiment loin au plateau. La première femme est un petit peu... Ouais, sur une autre planète. Ah ouais, c'est ça. On a tout un peu avec elle et Google avec Antoine. Ah, ces gars-là sont déjà... Alors, comment la Guadeloupe trouve ça? Ah, super! Il raide quand même. Non, c'est super. C'est bien, il va tranquille. Sans pression, sans stress. C'est bien. Super le balisage. Hein. Bon, je me suis perdu quand même une fois, mais ça va. Okay. C'est bien. La deuxième fois que je viens, donc c'est bon. Ok. Mais par rapport à la Guadeloupe, ça donne quoi? C'est quelle différence à peu près? Mais disons, en Guadeloupe, on a beaucoup plus de boue, de racines. C'est... Mais ça va. Ça va. Il y a beaucoup de morts ici. Il y en a beaucoup. D'accord. Mais c'est bien, franchement. Bravo à l'organisation. Je ne suis pas encore arrivée, mais bravo à l'organisation. Ok, à tout à l'heure. Ok, merci. Et on le berre. Mais c'est pas grave. Là, ici, sur les bras, c'est important. Ça aidera bien. Sur les jambes un peu. Alors, comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? Eh bien, jusqu'à présent, ça se passe plutôt bien. La forme. Ah, la forme. Bon rythme. Mieux que l'année dernière. L'année dernière, j'étais arrivé ici, il pleuvait. Donc. Ah. Il pleuvait. Non, il pleuvait nuit. Oh, putain, je me rends compte des conneries aussi. Non, l'année dernière... Il pleuvait pas, mais il faisait nuit quand j'arrivais ici. Donc, c'est une belle progression. Excellent. Et là, on va passer les roches carrées. Ça, c'est un sacré morceau. Mais c'est, on va dire, l'avant-dernière difficulté. Il y aura la montagne du Vauclin. Et après, c'est un plaisir jusqu'au bout. Le plaisir de souffrir et de tirer au fin fond de ses limites. Tout à fait. Bon, merci. À tout à l'heure. À plus. Yes. Yeah, c'est toi, bravo. Alors, dis-moi, comment tes sensations depuis le départ? Franchement, par rapport à l'année dernière, j'ai vraiment eu de meilleures sensations. Hein. Pas de problème intestinaux, physiquement ça a été. Après, je suis tombé sur deux larrons là, qui ont bien envoyé. Donc, bon, on est restés ensemble et puis on était un peu dans un groupe et tout. Si tu veux, on est rentré sur... Le groupe de devant, donc franchement c'est top. Et puis bon, on est un peu en avance hein, par rapport à l'année dernière. Donc là, il faut juste finir le travail. Où ça, ça? Ouais. Donc on va t'aller? Peace. Yes. C'est Muriel. Ah. À plus tard, José. À plus tard, yes. Merci beaucoup. T'es un mimon, tu. Est-ce que Elisabeth Roubli est devant non. Nous ou pas? Non, hein? Demain, on se parle. Oui, on a deux. Elle va pas tarder à arriver alors. Tu vois, elle est pas là, elle est derrière nous. Et ça, c'est vous et la madame. Valus. Oui. T'as bouge plein de trucs. Renadine. Faut pas que je sois allée. T'as raison. Comment ça se passe pour toi? Eh ben, je suis bien. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu moins de chaleur. Allez, on est parti. Oui, à tout à l'heure. Il y a eu un peu de pluie, alors. C'est le pied. Mais ça repart.
perche et de la vie. C'est réconfortant. Le climat est frais, effectivement. Mais oui. Ça va, okay. Et pour vous, comment ça se passe? Eh bien, ça va, je suis en bonne compagnie. Tu es plus. La plus jeune. Ouais, et bien, elle est impressionnante. Hein, elle a l'âge de son dossard. C'est vrai, hein. Et elle avance, mais c'est pas incroyable. Voilà, on discute. Bon. Impeccable. Voilà. Merci. De toute manière, on va la voir arriver. Hein. Ah, ben oui. Ah ben il y a de l'évolution là alors. J'arrive pas à l'issue, elles sont trop rapides. Merci, bonne journée. Bonne journée. Enfin Elisabeth. Bon, un petit coup de ravito. Ouais. Et toi ça va? Moi ça va. Ça va, impeccable. Bon, il n'y a pas de soucis. Il est en train de monter la... l'accès là. Il est en train de monter le pied. Mais il n'y a pas besoin d'ici. Allez, pause.